On sait que l'agriculture a énormément d'impact d'un point de vue environnemental. C'est des sujets qui font régulièrement débat. Aujourd'hui, les paysans se retrouvent pris entre des injonctions complètement contradictoires, que ce soit les attentes des citoyens d'un côté, le système de distribution alimentaire et toute l'agro-industrie. Lors des dernières consultations donc, sur les états généraux de l'alimentation, il a été beaucoup question de la répartition de la valeur des productions alimentaires. Donc du coup, à la fois, le prix est trop cher pour les ménages pour se nourrir, mais ce prix ne rémunère pas les producteurs. L'idée d'une sécurité sociale alimentaire, c'est un budget de 150 euros par mois qui permettent d'acheter des produits alimentaires qui seront conventionnés et ainsi avoir des produits qui sont meilleurs à la fois pour l'environnement et pour la santé, tout en garantissant un revenu aux producteurs. On a Santé Publique France, un organisme public, qui produit une étude recommandant de se nourrir, si possible, bio, local et de saison. Vu les niveaux de salaire aujourd'hui et les prix des produits bio, il est assez difficile de concevoir que tout le monde puisse suivre ce type de recommandations. Ces problématiques sont connues depuis de nombreuses années et on voit fleurir plein d'initiatives, des initiatives qui proposent des alternatives à ce système agro-industriel. Donc des initiatives comme les AMAP, le commerce équitable, les épiceries solidaires. Malheureusement, aujourd'hui, on voit un système alimentaire à deux vitesses se développer, avec d'un côté les personnes qui ont les moyens de se procurer des produits de qualité et bons pour leur santé et bons pour les producteurs et pour l'écologie et tout ça. Et de l'autre côté, des personnes qui sont contraintes d'acheter les produits de l'agro-industrie. Et cette dualisation des systèmes agricoles et alimentaires, elle nous avait été même assumée complètement par Stéphane Le Foll, alors ministre de l'Agriculture, qui disait que le système agro-industriel était tout à fait nécessaire pour nourrir les pauvres. Ce qui nous semble fondamental aujourd'hui, si on veut changer la situation alimentaire en France, ce serait de bloquer un budget spécifique pour l'alimentation. Pourquoi ? Parce qu'on se rend compte que l'alimentation, aujourd'hui, c'est la variable d'ajustement du budget des ménages, des personnes qui sont en situation de précarité. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, bah, globalement, quand on se retrouve à devoir faire des choix, il y a énormément de choix qui sont contraints, que ce soit les dépenses d'énergie, d'électricité, de transport ou autre. Et puis, il y a des dépenses sur lesquelles bah, on peut toujours manger un peu moins, on peut toujours sauter un repas, et c'est ce qu'on voit aujourd'hui chez énormément de personnes. La part de l'alimentation dans le budget des ménages n'a fait que baisser ces 60 dernières années. Le danger, si on ne garde pas une partie du budget spécifiquement dédiée à l'alimentation, c'est que constamment, le système capitaliste, la société de consommation, va nous pousser à diminuer le budget alimentaire au profit d'autres dépenses contraintes dans des secteurs qui sont plus intéressants d'un point de vue de la rentabilité capitalistique, et notamment l'immobilier et l'augmentation des loyers. Il nous semble donc particulièrement important de sanctuariser une somme dédiée uniquement à l'alimentation pour l'ensemble des habitantes et des habitants dans ce projet de sécurité sociale alimentaire. Alors nous, on fait partie du groupe Agrista, Agriculture et Souveraineté Alimentaire, de l'association Ingénieurs Sans Frontières. Et donc on travaille sur ces problématiques, mais on sait qu'on n'est pas les seuls à travailler là-dessus. Et dans les prochains mois, on va continuer à travailler avec de nombreux partenaires sur ces questions. Si vous voulez plus de détails, on a rédigé un petit document qui fait une vingtaine de pages avec quelques annexes qui permet de détailler l'ensemble du projet. Vous trouverez le lien du document dans la barre d'infos. N'hésitez pas à partager donc cette idée, à en discuter dans les débats actuels, mais aussi avec nous, là, dans les commentaires ou par mail. D'autres vidéos vont suivre pour mieux expliquer nos propositions, donc n'hésitez pas de vous abonner à la chaîne.